Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este evento y enhorabuena, porque estar hoy aquí significa que vamos a asistir a un evento de primer nivel. Yo estoy aquí un poco para presentar, ¿verdad? Para presentar y después, al final de la conferencia de Edith Hert, para moderar el turno de preguntas, porque tendremos un espacio para el diálogo, así que no tengáis miedo, esto es espacio total, abierto para todas las preguntas que podáis tener sobre epigenética. De hecho, bueno, hoy estamos aquí para escuchar una conferencia de uno de los referentes a nivel mundial en el campo de la epigenética, que es Edith Hert. Ella me gustaría leer brevemente un poco su trayectoria profesional. Ya hemos visto que actualmente es profesora en el Collège de France, directora de la Unidad de Genética y Biología del Desarrollo en el Instituto Curie y futura directora del ENBIEL, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Casi nada. Un poquito de trayectoria, un poquito sobre la carrera de Edith Hert. Ella terminó el grado de genética en la Universidad de Cambridge. Se doctoró con honores en el Imperial Cancer Research Foundation. Desde 1990 hasta el año 2000, llevó a cabo sus estudios postdoctorales en el Instituto Pasteur de París. Y en el año 2001 comenzó a dirigir su propio laboratorio en el Instituto Curie. El año 2001, que parece que fue anteayer, ¿verdad? Año 2001, yo creo que aquí todos los que estamos recordamos el 2001. Yo en concreto lo recuerdo por uno de los grandes hitos históricos, ¿no? La secuenciación del genoma humano, quizá os suena esto. Secuenciación del genoma humano. El año 2001 fue cuando se lanzó el primer borrador del genoma humano. Es decir, cuando por fin se pudieron poner en orden todas esas letras, esas A, T, G, C, todas esas letras que codifican nuestro ADN. Las pudimos poner ahí en orden, lo cual significa que tuvimos delante de nuestros ojos las instrucciones que nos hacen humanos. Vaya boom fue eso a nivel científico. Ahí todo el mundo quería decir algo al respecto. Científicos, pseudocientíficos, homeópatas, Punset, daba igual, todo el mundo. Oye, tenemos las instrucciones aquí delante de nuestros ojos, pues leyéndolas podremos decir cuántas enfermedades vamos a tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? Incluso cuándo las vamos a tener o cuántos años vamos a poder vivir. O imaginad que tenemos la secuencia de ADN de una persona que todavía no ha nacido. Pues leyendo su ADN vamos a ser capaces de decir si va a ser más o menos inteligente o deportista de élite. Yo siempre me imaginaba a esa mujer embarazada en la consulta del ginecólogo y el doctor leyendo la secuencia de ADN del bebé. Bueno, 3.200 millones de letras ahí metidos, eso tardaba un poquito, y diciendo, uy, señorita, lamento comunicarle que aquí está escrito que su hijo va a ser matemático y votante de UPyD. No sé, bueno, incluso estas cosas, ¿no? Estas cosas tan íntimas, según ellos, las primeras hipótesis es que todo, hasta lo más íntimo, lo íbamos a poder leer ahí, en la secuencia de ADN. Estas teorías, estas hipótesis, cuando solo teníamos la secuencia de ADN de una única persona. Luego la técnica mejoró, pudimos extraer ADN de mucha gente, lo secuenciamos, es decir, lo leímos y lo comparamos. Y aquí llega el notición, miraos los unos a los otros, miraos sin miedo, los hay más feos, pero esto allá donde vayamos va a pasar, entonces conviene irse acostumbrando. Bueno, todos los que hoy estamos aquí, Madrid entero, de hecho, todos los seres humanos que poblamos este planeta solo nos diferenciamos en un 0,1% de nuestro material genético. 0,1% de nuestros genes. Imaginaos dos novelas de 200 páginas que solo se diferencian en un párrafo. Eso es plagio mínimo. Pero yo tan iguales nos veo. Es verdad que tenemos muchas diferencias, ¿no? Y tú te quieres creer a los científicos, pero indudablemente te vienen nombres a la cabeza, ¿no? 0,1 de diferencia entre, yo qué sé, Natalie Portman y Donald Trump. Pues esto no te cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, te quieres creer a los científicos y es verdad que hay muchas características que están codificadas en el ADN, escritas en las letras que tenemos en nuestros genes y se pueden leer. Por ejemplo, nuestro color de pelo. Lo podemos saber leyendo el ADN. Nuestro color de piel, si somos hombres o somos mujeres, también lo podemos saber mirando el ADN.
Pero hay otras características que no están tan claras. ¿Qué pasa con, no sé, con la inteligencia? ¿O con nuestra verdadera personalidad? ¿O con nuestra adaptación al cambio? Si todo estuviese ahí, escrito en el ADN desde el principio, seríamos incapaces de evolucionar, de adaptarnos, de adaptarnos a nuevos medios, a nuevas circunstancias, y sin embargo lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa ahí? No es solo una cuestión de lectura del ADN, es una cuestión de cómo leemos el ADN. Es lo que llamamos epigenética. Y se entiende fácil. Mirad, imaginad que esto que tengo aquí es la molécula de ADN de una sola de mis células. Así estirada, esta molécula de ADN tiene más de 2 metros de longitud y está en cada una de nuestras células. Tenemos miles de millones de células. Sin embargo, estos 2 metros está claro que tienen que compactarse, ¿no? Que anudarse para entrar dentro del núcleo celular, que es 1000 veces más pequeño que una cabeza de alfiler. Por tanto, lo hacen, se compactan, siguiendo, bueno, distintos patrones de nudos. Esto de aquí. Estos nudos son las marcas epigenéticas. El ADN se compacta mucho, se llega incluso a anudar, formando marcas, marcas epigenéticas, que como veis están dejando regiones del ADN muy condensadas, muy compactadas, anudadas. Son las regiones silenciadas, que no le dan ningún tipo de información a la célula de lo que tiene que hacer. Es como un libro cerrado, como si eso no estuviese escrito. Y otras regiones estiradas, abiertas, que se expresan, que le dicen a la célula cómo se tiene que comportar. Pero la cosa no es de todo o nada. Los genes pueden estar un poco silenciados, muy silenciados, pueden expresarse muchísimo, pueden expresarse menos, pueden modular su tono. Y todo esto, todas estas marcas epigenéticas, al final están dando modulación a nuestro ADN. Están permitiendo a unos genes sonar más alto y a otros sonar un poquito más bajo. Por eso dos gemelos univitelinos, de esos que son exactamente iguales, pueden convertirse en dos personas distintas, porque aunque tengan el ADN 100% igual, sus marcas epigenéticas pueden irse modelando a lo largo de la vida, haciendo de ellos personas totalmente distintas. Esto, precisamente de esto, de esta epigenética, es de la que hoy vamos a escuchar aquí una conferencia de Edith Hart. Ella nos va a hablar en concreto del silenciamiento, anudado, el silenciamiento del cromosoma X. Sabéis, los cromosomas sexuales, XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los hombres. Pero mucho mejor que todas estas cuestiones de epigenética nos la cuente una verdadera experta. Así que os voy a pedir a todos, a todas, un fortísimo aplauso para Edith Hart. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici et de parler devant vous. Et merci beaucoup pour l'introduction. J'avoue que je n'ai pas compris beaucoup de choses parce que je ne parle pas espagnol. En plus, je suis britannique, je parle anglais mieux que je parle français, mais ce soir, vous allez m'entendre en français. Et pour rien vous cacher, en fait, je suis moitié grecque. Donc souvent, quand j'entends 3 langues, c'est ma 3e qui sort. Donc si je commence à vous parler en grec, je suis désolée. Alors, je viens de réaliser qu'il y avait un problème avec mon ordinateur. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas ma famille, c'est mon équipe au laboratoire. Et je les ai amenés en Grèce pour une retraite. Et je viens de réaliser que PowerPoint avait quitté. C'est pour ça que vous voyez cette image. Donc je vais être obligée d'ouvrir. Excusez-moi. On va commencer. Donc j'ai compris 2 mots pendant l'introduction. J'ai compris Donald Trump et Natalie Portman. C'est ça, hein? Alors voilà, Madrid. Donc j'ai bien compris qu'il s'agit du chromosome X et les différences entre les sexes. Alors heureusement, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer sur mon ordinateur. Je suis désolée, ça marchait quand je suis partie. Et puis, voilà. Voilà. Donc, cette année, j'ai fait mes cours au Collège de France. Vous voyez ici le collège, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une institution qui a été fondée en 1530 par François Ier. Et grâce à cette institution, tous les Français peuvent apprendre la recherche qui se fait aujourd'hui par des spécialistes. Et ma spécialité, c'est l'épigénétique. Je pense que vous avez eu une explication extrêmement claire et même pragmatique, hein, avec, j'ai compris, l'ADN. Et donc, moi, j'occupe l'achat d'épigénétique et mémoire cellulaire. Et chaque année, j'enseigne sur différentes choses. Et cette année, j'ai choisi d'enseigner sur l'épigénétique et les chromosomes sexuels. Alors, je travaille sur le chromosome X, et donc ça tombe bien. Et je clôture ma série de cours avec cette conférence sur les chromosomes sexuels et l'épigénétique. Donc, je vais vous faire un peu un voyage sur les chromosomes sexuels, leur évolution, et en particulier la manière que la différence de dose entre les chromosomes X et Y chez les femmes et les hommes, et les femelles et les mâles, sont compensées via les phénomènes ou les processus épigénétiques. Donc, je commence en vous montrant ces fameux chromosomes. Donc, je pense que vous reconnaissez parce que c'est en bleu. C'est le caryotype mâle, le X et le Y. Et chez les femelles, donc, il y a deux chromosomes X. Mais pas dans toutes les espèces. Les différences de sexe sont très souvent dues à des chromosomes sexuels, mais avec des systèmes un peu différents. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les différences système, vous pouvez regarder online mes cours. Aujourd'hui, je vais vous épargner de tous les détails, mais je voulais quand même vous montrer qu'il y a des différences plus ou moins prononcées entre les sexes. Je pense que vous savez que, par exemple, chez certains oiseaux, le mâle a souvent un plumage absolument magnifique, sans doute pour attirer la femelle qui, elle, est souvent beaucoup plus modeste. Mais ces différences entre les sexes peuvent être inversées. Par exemple, ici, vous voyez des araignées et puis un type de poisson. La femelle est énorme, très imposante. Dans ce cas-là, vous ne voyez même pas le mâle parce qu'il est tellement petit, il s'accroche à la femelle en fait, pour survivre. Tout ce qu'il peut proposer, c'est son sperme. En fait. Et il est minuscule et la femelle est énorme. Donc, en fait, on a toutes sortes de dimorphismes sexuels dans la nature. Darwin était un des premiers à vraiment décrire tout ça. Et chez les primates, je pense que vous reconnaissez ici... nous. Et il y a des différences, mais ils sont un peu moins prononcés. Mais quand même, il y a des différences. Et donc, dans tous ces cas, ces différences ou le déclenchement des différences sexuelles est quand même dû à la génétique, à la séquence de l'ADN qui est différente parce que les femelles ont deux chromosomes X et les mâles un X et un Y. En tout cas, chez les primates et les mammifères. Chez les oiseaux, le système est un peu différent. C'est le mâle qui est le sexe hétérogamétique, donc lui, pardon, la femelle qui est hétérogamétique, donc c'est elle qui a un chromosome Z et un W, alors que le mâle, il a deux chromosomes Z. Peu importe, c'est ces différences en fait qui font qu'on déclenche toute une cascade d'événements qui font que les sexes se distinguent. Et alors, dans le cas des mammifères, il y a quelque chose d'encore plus particulier, c'est que cette différence entre les chromosomes sexuels se traduit par un besoin d'équilibrer le dose entre les XX et le XY. Et c'est un phénomène épigénétique qui s'appelle l'inactivation du chromosome X qui se met en place. Et vous voyez un individu ici, un chat d'écailles écailles de tortue. Et ces chats sont toujours femelles. Et vous allez voir un peu plus pourquoi dans quelques minutes. Donc, je reviens sur le caryotype humain. Comme je disais, le dimorphisme sexuel n'est pas si important chez l'humain par rapport à certains d'autres exemples que je vous avais montrés. Mais quand même, il y a des différences. Et parmi ces différences qui sont cachées sous les feuilles, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des gènes sur le chromosome Y qui sont absolument essentiels pour la détermination sexuelle et les caractéristiques mâles.
Donc, je vais revenir sur ces gènes en particulier. Mais vous voyez que, globalement, tous les chromosomes sont identiques. On a 23 paires de chromosomes. Et les 22 paires sont, en fait, identiques ou quasiment, sauf pour ces chromosomes sexuels. Et alors, pourquoi se donner le mal d'avoir des chromosomes sexuels? Pourquoi ces différences? Et je pense que vous savez tous, j'espère, que c'est très efficace de se reproduire sexuellement. La reproduction asexuée, comme la parthénogenèse, n'est pas très efficace parce qu'il n'y a pas le brassage de génomes entre les deux génomes parentaux. Donc en fait, c'est très important de brasser, d'avoir cette variation génétique qui arrive avec chaque individu issu de deux gamètes, parce que comme ça, on peut créer des nouvelles variétés, puis on peut éliminer des erreurs, des mutations dans la séquence ADN, on peut masquer ou éliminer ces différences. Et dans le cas des organismes qui se reproduisent de manière asexuée, très souvent, au cours de l'évolution, ça conduit à l'extinction, parce qu'on n'arrive pas à éliminer l'accumulation des mutations, des erreurs qui sont faites d'une génération à l'autre. Alors qu'avec la reproduction sexuée, on arrive quand même à générer une variété, une variabilité, qui fait aussi qu'on peut s'adapter à des environnements différents et puis survivre de manière beaucoup plus élaborée. Et donc, voilà, les scientifiques travaillent depuis des décennies sur les avantages du sexe. Donc, parce que c'est avantageux, il y a des systèmes qui ont évolué pour permettre ces chromosomes sexuels d'évoluer. Et donc, les chromosomes sexuels chez l'humain, je l'ai déjà dit, le X est très grand. Il se comporte de 153 millions de paires de bases avec 1300 gènes, donc c'est un des chromosomes les plus grands, alors que le Y, il n'y a qu'une cinquantaine de gènes, tout petits, et il n'y a que deux gènes qui sont vraiment importants pour la détermination du sexe mâle. Donc un de ces gènes s'appelle SRY, c'est le Testis Determinant Factor, ça détermine donc la voie gamétique mâle. Et puis, un autre gène ici, avec un nom imprononçable, est important pour la spermatogénèse. Mais un individu qui n'a pas le Y, qui a un seul X, est quand même femelle. Donc, vous êtes tous femelles par défaut. Mais quand même, ces deux petits gènes sur le Y sont importants. Mais cette différence d'échelle pose des problèmes au niveau de dose. 1300 gènes en double dose par rapport à simple dose entre les femelles et les mâles est un problème. Et juste pour illustrer pourquoi c'est un problème, je pense que vous savez tous que la seule trisomie chez l'humain qui est viable, c'est la trisomie 21, le chromosome 21, qui est un des chromosomes le plus petit chez l'humain. Et juste une copie de plus, il porte que 250 gènes, et juste une copie de plus conduit à ce syndrome de Down. Tous les autres chromosomes, une copie de plus, une trisomie, est létale très tôt. Donc en fait, c'est supportable que pour le chromosome 21. Donc vous imaginez que d'avoir deux copies du chromosome X avec 1300 gènes par rapport à une copie chez le mâle pose un problème de compensation. Mais alors, il y a deux niveaux auquel cette question de dosage déséquilibré se pose. Et je vais vous montrer ça au cours de l'évolution. Donc en fait, les chromosomes sexuels ont évolué à partir d'un paire de autosomes, donc un paire de chromosomes qui étaient identiques, comme le chromosome 1, le chromosome 2, etc. Et le premier événement, c'était l'apparition d'un gène, ce fameux gène Testis Determining Factor, en tout cas chez les mammifères, qui produit une protéine qui va déclencher la différenciation de la lignée germinale mâle. Donc c'était le proto-Y qui est apparu il y a plusieurs centaines de millions d'années, qui a conduit à la première différenciation des chromosomes sexuels. Donc les deux chromosomes étaient quasiment identiques, sauf pour l'apparition de ce gène. Mais pour maintenir et avoir les avantages des mâles et donc garder ce chromosome Y comme le chromosome qui détermine le mâle, il fallait protéger
ce gène de la recombinaison qui se passe, ce brassage qui se passe à chaque génération dans l'Y. Donc les deux chromosomes qui étaient identiques au départ deviennent de plus en plus différents au cours de l'évolution. Mais le problème, c'est que tout de suite, ça pose un problème de dose. Parce que tous les autres chromosomes sont présents en deux doses et ce chromosome X est présent en une dose ou en deux doses chez les femelles. Et donc, en fait, on propose, c'est toujours une hypothèse qui est un peu controversée, mais on propose que le premier événement qui est dû avoir au cours de l'évolution, c'est que le chromosome X, il s'exprime plus fortement que les autosomes, pour compenser justement la différence entre les mâles et les femelles. Donc, il y a une augmentation de l'expression du X. Comme j'ai dit, c'est toujours une hypothèse. Mais l'autre conséquence, c'est qu'effectivement, le chromosome Y, il est tout petit, et chez la femelle, cette double dose est un vrai problème. Donc, il y a eu, au cours de l'évolution, une manière d'éteindre un des deux chromosomes X. Et donc, la région qui est différente entre les X et Y doit être compensée. Et donc, c'est là où il y a eu l'évolution d'un processus qui s'appelle l'inactivation du chromosome X. Et ça, ce n'est plus une hypothèse, c'est une loi. On sait que ça se passe. Donc voilà, au cours de l'évolution, il y a eu donc cette série d'événements. Alors ça, c'est le cas chez les mammifères. Si on regarde dans d'autres espèces, et je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, mais par exemple chez les mouches, chez la mouche drosophile, qui est un système modèle pour les biologistes, on sait que la manière de gérer cet déséquilibre est juste simplement de doubler l'expression du chromosome X et de ne pas toucher l'expression chez la femelle. Donc chez le mâle, le X s'exprimait deux fois plus fortement et chez la femelle, pas du tout. Et dans d'autres espèces, comme le ver C. elegans, là, on voit qu'il y a une baisse d'expression des deux chromosomes X par moitié. Donc, il y a différentes stratégies au cours de l'évolution. L'évolution, en fait, fait qu'on a une variabilité et on choisit la stratégie qui se présente et qui est plus efficace pour que l'organisme puisse s'adapter et survivre. Donc, pour revenir sur les mammifères, ce système où un des deux chromosomes X est inactivé pour compenser est un phénomène épigénétique. Donc je sais que vous avez déjà eu une petite introduction sur l'épigénétique, mais je vais quand même vous dire le secret, c'est que quand on va à des congrès scientifiques, très souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit, mais en fait, il faut juste dire que c'est de l'épigénétique. Tout ce qui ne suit pas les règles, c'est vrai en fait, et moi ça me gêne parce que je suis épigénéticienne, je travaille sur l'épigénétique, mais ça me gêne qu'effectivement très souvent, quand on veut dire, ben voilà, finalement on ne sait pas trop comment ça marche, c'est l'environnement ou c'est autre chose, on dit, ben voilà, c'est de l'épigénétique. Mais je vais vous dire que non, en fait, l'épigénétique c'est une vraie discipline. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Donc vous avez, je pense, déjà entendu que la base de la génétique, c'est quand même lié à des polymorphismes, des changements dans la séquence. On peut les appeler des mutations ou on peut juste simplement les appeler des différences, des polymorphismes. Mais une fois qu'il y a une différence dans la séquence de l'ADN, le ATGC, cette différence, elle ne peut pas être réversée. Elle est héritée, elle est mise là. Donc elle apparaît, elle peut être avantageuse et donc sélectionnée, ou elle peut apparaître et simplement être présente dans la population. Donc certains polymorphismes qui génèrent des différences de caractéristiques, on appelle ça des phénotypes, les caractéristiques sont par exemple la couleur des yeux. Ça, c'est vraiment une différence qui est dictée par une différence au niveau de la séquence. Il y a un gène qui a une différence de séquence qui fait qu'on a les yeux marrons ou les yeux bleus. Donc ça, c'est la génétique. Et comme j'ai dit, c'est hérité. C'est quelque chose qui est transmis dans la lignée germinale. C'est important pour la spéciation. Les différences, l'accumulation des mutations peut conduire à la spéciation. Et c'est en général irréversible. Par contre, l'épigénétique peut conduire aussi à des phénotypes, à des caractéristiques différentes. Mais là, il s'agit de ces fameuses marques épigénétiques, les décorations de l'ADN. Donc la séquence de l'ADN n'est pas différente, mais il peut y avoir des changements chimiques au niveau de l'ADN ou au niveau des protéines
autour duquel est embobiné l'ADN. Donc en fait, autour de l'ADN est compacté dans le noyau grâce à des protéines qui, elles, peuvent être modifiées. Et donc les marques épigénétiques peuvent être portées soit par la modification de l'ADN, mais pas le changement de la séquence, juste des modifications chimiques comme la méthylation, soit par la modification des protéines associées à l'ADN ou d'autres mécanismes. Je vais vous décrire ça dans un instant. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que ces changements peuvent être héritables aussi. Elles peuvent être transmises d'une cellule à l'autre au cours de la division cellulaire. Et même dans certains organismes, ces modifications épigénétiques peuvent être transmises à travers les générations, en particulier chez les plantes. Nous savons qu'on peut avoir des changements épigénétiques qui ne sont pas effacés dans la lignée germinale et d'une génération à l'autre, on les retrouve. Il y a même des cas chez les mammifères où c'est le cas. Et donc ici, je vous montre deux souris qui sont génétiquement identiques. Le génome est identique. Ce qui est différent, c'est que dans cette souris, il y a une région de son génome où il y a des modifications épigénétiques, la méthylation de l'ADN, qui font qu'il y a un gène qui est exprimé différemment et qui conduit à cette différence de couleur de pelage et à cette obésité. Et ça, c'est purement épigénétique. Donc vous voyez ça, vous dites, ah ben voilà, ça c'est clairement un phénomène génétique, il y a un polymorphisme. Mais non, pas du tout. En fait, c'est épigénétique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces changements épigénétiques peuvent être héritables, mais ils sont aussi réversibles. Et le cas que je vous montre ici, qui peut être transmis d'une génération à l'autre, en fait, est assez rare chez les mammifères. La plupart des marques épigénétiques, en fait, peuvent apparaître au cours du développement et sont effacées dans la lignée germinale. Et les marques épigénétiques peuvent aussi être influencées par l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On commence à comprendre un tout petit peu, mais effectivement, on peut changer ce qu'on appelle l'épigénome avec des influences environnementaux. Mais est-ce que ces changements épigénomiques sont vraiment transmissibles pendant longtemps? Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez controversé. En tout cas, voilà, la grande différence entre la génétique et l'épigénétique, c'est qu'il s'agit des changements qui sont héritables dans les deux cas, mais dans le cas de l'épigénétique, c'est des changements qui sont héritables, mais qui ne sont pas expliqués par des changements au niveau du génome, au niveau de la séquence de l'ADN. Et je vous mets aussi ce mot épigénomique, parce que je viens de l'utiliser, mais c'est une manière de caractériser tous les changements épigénétiques qui apparaissent dans une cellule ou dans un individu ou dans un organe. Donc on fait maintenant la lecture du génome, mais aussi la lecture de l'épigénome avec des techniques dédiées. Et donc ici, je vous montre, je pense que dans l'introduction, ça a été décrit. Donc l'ADN que vous voyez ici peut être plus ou moins condensé grâce à ces protéines dont j'ai parlé, les histones en fait, autour duquel est embobiné l'ADN. Et c'est là où on voit les marques épigénétiques peuvent être portées, soit au niveau de l'ADN lui-même, ça peut être une méthylation de l'ADN, soit au niveau de ces protéines, on peut avoir des marques. Et donc on peut avoir la chromatine plus ou moins ouverte. Ça c'est la chromatine, elle peut être ouverte et accessible, et donc là les gènes peuvent être exprimés, ou elle peut être fermée, condensée, et là les gènes sont moins bien exprimés, et sont plutôt réprimés. Et quand un gène est exprimé, je vous le rappelle, ça produit un ARN. Cet ARN peut être traduit en protéines, et c'est grâce à ces protéines que nos cellules sont faites, que les individus sont faits. Mais donc, il y a des régions du génome qui sont ouvertes, avec des marques épigénétiques d'activité, et puis il y a d'autres régions du génome qui sont fermées. Alors, voilà l'épigénétique, voilà l'épigénomique. À quoi ça sert? Je pense que je vous avais déjà dit ça un tout petit peu. C'est surtout pour le développement. À partir d'un œuf fécondé qui a un génome, deux génomes en fait parentaux qui se mélangent, on arrive à faire tous les organes dans un corps. Donc en fait, c'est le même génome qui se retrouve dans toutes nos cellules, mais avec des épigénomes différents, avec des marques épigénétiques différentes. Donc on pense que l'épigénétique est très important pour la mémoire cellulaire, l'identité cellulaire.
un neurone ne va pas oublier d'être un neurone parce qu'il y a des marques épigénétiques qui figent cet état et qui permettent de mémoriser cet état, même si son ADN est exactement le même dans un individu qu'une cellule de muscle. Mais la cellule de muscle, elle ne va pas changer d'avis, elle va garder l'expression de certains gènes et réprimer les autres grâce à des marques épigénétiques. Donc ça, c'est pour moi l'exemple le plus frappant et important de l'épigénétique. Il y a aussi, je pense que vous avez sans doute, parce qu'en Espagne, vous avez des grands spécialistes de ce type d'études, les études sur les jumeaux et les différences qu'ils peuvent avoir qui sont épigénétiques. Et donc, effectivement, on sait qu'avec des jumeaux ou des jumelles ici qui sont jeunes, leur épigénome, leur génome sont identiques et leur épigénome sont quasiment identiques. Ici, vous voyez deux chromosomes qui sont marqués avec un anticorps, quelque chose qui détecte un marque épigénétique, la méthylation de l'ADN. Et on voit que dans des jumeaux qui ont 3 ans, les profils épigénétiques sont quasiment identiques. Alors que quand on regarde les jumeaux qui ont 50 ans, on voit une divergence dans les profils épigénétiques. Donc en fait, on sait qu'avec l'âge, les changements épigénétiques peuvent s'accumuler. Et donc ça, c'est une hypothèse qui est en train de s'explorer. Est-ce qu'effectivement, avec l'âge, même les cellules avec le même génome peuvent en fait commencer à varier dans l'expression de leurs gènes? Et c'est les études avec les jumeaux qui sont les plus puissants pour pouvoir étudier ce phénomène. Et enfin, je voulais quand même juste mentionner, avant que je revienne sur mon chromosome X préféré, je voulais quand même mentionner des cas très frappants de programmation épigénétique environnementale. Vous savez tous que les abeilles, les fourmis ont souvent une reine. Et la reine, elle a exactement le même génome que les autres abeilles dans une ruche, donc les ouvrières ou... pas les mâles, parce que les mâles, effectivement, ils ont quand même le caractéristique sexuel, mais la reine et les ouvrières ont exactement le même génome. Mais une reine est une reine parce qu'au cours de son développement, elle est nourrie avec la gelée royale. Et dans la gelée royale, les chercheurs commencent à étudier quels sont les changements qui sont induits pour faire une reine. Et probablement, c'est des marques épigénétiques qui sont importantes pour cette différence. Donc en fait, il y a des cas comme ça de programmation épigénétique au cours du développement qui font qu'on peut avoir des individus qui sont très différents. Et chez les plantes, ça c'est un autre cas, où au cours, il y a certaines plantes qui doivent avoir une période de froid en hiver pour pouvoir fleurir au bon moment le printemps prochain. Et sans cette période de froid, elles ne vont pas fleurir au bon moment. Et il s'agit de l'épigénétique. Et nous savons très bien maintenant quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour mémoriser cette étape de froid, pour calculer exactement à quel moment il faut que ces plantes commencent à fleurir. Donc en fait, c'est plusieurs exemples d'épigénétique programmée par l'environnement. L'humain n'est pas programmé par l'environnement, je pense que vous le savez. Donc je reviens sur le cas pour moi le plus beau d'épigénétique qui est cette inactivation du chromosome X. Donc je vous avais déjà montré le caryotype, donc il y a 2X, 1X, 1Y. Et en fait c'est dans les années 40 qu'un scientifique, un cytogénéticien qui s'appelle Barr a découvert que les cellules femelles ont un petit, dans le noyau des cellules femelles, on voit souvent une petite structure très condensée. Et donc, on appelle ça le corpuscule de Barr. Les médecins connaissent souvent le corpuscule de Barr, le Barr body, et reconnaissent des cellules femelles grâce à ce corpuscule. Et à l'époque, on voyait bien que ce n'était pas chez les mâles, c'était que chez les femelles. Mais c'était en 1949 que cette observation a été faite. Et c'était plusieurs décennies plus tard qu'il y a eu une explication pour cette... ce corpuscule de Barr, et c'est Mary Lyon, une généticienne britannique, qui a proposé en 1961 qu'il s'agit d'un des deux chromosomes X, et que pour équilibrer le dose d'expression des gènes entre les deux chromosomes X, il fallait éteindre un des deux chromosomes X, c'est-à-dire le mettre en veille, c'est-à-dire les 1300 gènes qui sont présents ne sont plus exprimés, et ceci de manière stable. Et donc elle a proposé qu'un des deux chromosomes X au cours du développement chez les femelles est inactivé, et cette inactivation est ensuite propagée à travers des divisions cellulaires. Alors l'ADN n'a pas changé, simplement
l'ADN de X n'est pas utilisé. Et donc ça, c'est l'inactivation du chromosome X et c'est un cas très classique d'épigénétique. Et ici, je vous montre la souris que Mary Lyon a étudiée parce qu'elle avait remarqué que pour un gène qui produit une couleur de pelage particulière, les souris femelles qui avaient une mutation dans ce gène sur un X et pas sur l'autre, au lieu de montrer quelque chose d'assez homogène, montraient ces plages de pelage gris ou blanc. Et donc, en fait, elle a proposé, grâce à cette observation, que les femelles hétérozygotes pour ce gène montraient une expression que d'un allèle ou de l'autre, que de le gène venant du X paternel ou le gène venant du X maternel. Et elle a proposé que c'est la même chose pour les chats qui portent aussi des gènes qui codent pour les protéines qui codent pour la couleur. Et donc vous voyez ici, c'est un chat, on appelle ça un chat calico en anglais, Isabelle je pense en français. Et donc vous voyez les plages de couleurs différentes. Et le point important, c'est que c'est un phénomène totalement épigénétique qui est réversé à chaque cycle de vie. Donc, dans une femelle, le X inactif qui a été choisi et qui arrive pour faire la lignée germinale, il est réactivé. Donc, à chaque cycle de vie, le X qui a été inactivé peut être reprogrammé et peut être un X actif à la génération suivante, soit chez un mâle, si c'est un embryon mâle, soit chez une femelle. Donc, c'est un processus épigénétique héritable au cours des divisions cellulaires, mais réversible à chaque cycle de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui passe à travers les générations. Et donc, pour vous montrer de manière un peu plus spécifique de quoi il s'agit, voilà les deux chromosomes X dans une cellule. Un des deux est inactivé. Et quand on regarde un gène, et là, je vous montre ça de manière très schématique, vous voyez que sur le X actif, le gène, on va dire c'est le gène orange, hein, il est exprimé. Et le même gène, mais qui est polymorphique, parce qu'il y a quand même des différences entre les allèles maternels et paternels. Hein, je vous parle de l'épigénétique, mais ici, pour avoir une différence de caractéristiques, il faut quand même avoir une séquence qui varie. Et donc, en fait, sur le X, sur un X, il y a par exemple une polymorphisme G, et ici c'est un A, qui fait que ce gène, quand il produit une protéine, ça sera orange, alors que le gène sur l'autre allèle, ça sera noir. Alors, si c'est le X inactif qui porte l'allèle noir qui était inactivé, on ne voit que des cellules qui expriment le gène, l'allèle orange, et vice-versa. Donc voilà, l'inactivation qui a lieu au cours du développement est aléatoire. Donc parfois, c'est l'allèle noir qui va être exprimé, parfois l'allèle orange. Et donc, nous avons des mosaïques. Nous avons des femelles qui sont très souvent des mosaïques et qui expriment parfois, les cellules produisent un allèle et parfois l'autre allèle. Et ici, je vous montre encore un autre exemple du chat. Mais ici, c'est un humain, une femme. Et c'est un gène qui code pour une protéine qui affecte les glandes de sueur. Et vous voyez ici, il y a des plages de cellules de la peau qui expriment le gène, on va dire, sauvage, le gène qui n'est pas muté, et d'autres plages qui expriment le gène mutant. Et donc, on voit que ces femelles, elles ont effectivement certaines parties de leur corps qui peuvent transpirer normalement et d'autres parties. Donc voilà pour les cas, on va dire, dans la nature. Maintenant, les scientifiques peuvent faire des choses avec des protéines fluorescentes. Nous pouvons produire des souris avec des gènes fluorescents sous le chromosome X. Et je vous montre ici mon exemple préféré qui vient d'un article qui a été publié il y a 4 ans, où les chercheurs ont étiqueté un gène qui est sur le chromosome X et qui est, on appelle ça un gène de ménage. C'est un gène qui s'exprime dans toutes les cellules. Ce n'est pas un gène qui est exprimé que dans certains types de cellules. Et donc, on a des souriceaux, parce que, en fait, sur un X, le gène était étiqueté avec une protéine fluorescente rouge et l'autre avec une protéine verte. Et vous voyez que les souris, ce n'est pas des petites souris vertes, c'est des petites souris vertes et rouges. Et ici, il s'agit de 3 souris qui sont quasiment identiques génétiquement, parce que bien sûr, avec la souris, on peut créer des individus qui sont génétiquement identiques, sauf pour ce gène qui est étiqueté soit rouge, soit vert.
Et vous voyez que ces trois femelles dans la même portée ne sont pas identiques, alors que génétiquement, elles sont identiques, mais au niveau de l'expression de l'allèle vert ou rouge, il y a beaucoup de différences. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est ce mosaïcisme cellulaire qu'on voit grâce à l'inactivation d'un des deux chromosomes X peut varier beaucoup d'un individu à l'autre. Et donc, il s'agit ici d'une variation phénotypique au sein du même individu, et cette variation peut varier entre individus. C'est compliqué, mais c'est ça la biologie. Et en même temps, c'est très simple, parce que ça veut dire pour un gène, n'importe lequel gène sur le X, chaque femme va exprimer de manière différente l'allèle paternel ou maternel. Et ici, je vous montre différents organes au sein d'un individu. Donc ici, il s'agit d'une section de la langue. Et vous voyez, le côté droite de la langue exprime la protéine rouge et gauche verte. Et puis, il y a d'autres organes où le mélange est beaucoup plus important. Et comme je l'ai dit, chaque individu est un petit peu différent au niveau de ce mosaïcisme. Et je veux vous montrer un exemple que je trouve très dramatique. En fait, c'est une section du cerveau d'une de ces souris. Et vous voyez qu'il y a un côté du cerveau, ses fils, qui vont être complètement affectés. Et si elles transmettent la mutation à une fille, la fille peut être porteuse, mais ne montre pas de symptômes. Et pourquoi ? C'est parce que justement, il y a ce mosaïcisme et que dans certaines cellules, normalement 50% des cellules vont exprimer le X, on va dire, qui va bien, et l'autre 50%, le X qui ne va pas si bien. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'en fait, au cours du développement, au début, on a une inactivation aléatoire, mais après, si les cellules qui expriment l'allèle muté, le mauvais gène, sont présents, elles peuvent avoir un désavantage. Donc, en fait, elles peuvent être éliminées. Donc, on peut avoir des femmes qui ont 100% de leurs cellules qui expriment qu'un seul X, c'est parce que l'autre X porte un gène qui est muté et l'expression de ce gène muté est contre-sélectionnée au cours du développement. Par contre, on peut aussi avoir le cas inverse. On peut avoir des femmes qui sont totalement, qui montrent totalement les symptômes. Et pourquoi ? C'est souvent parce qu'on peut avoir différents polymorphismes sous le X. Et si par hasard il y a une mutation ou une différence qui est contre-sélectionnée au cours du développement et puis une autre différence dans un autre gène qui, lui, n'est pas contre-sélectionné au cours du développement mais qui apparaît plus tard, on peut arriver avec une femme qui a 100% de ses cellules qui expriment l'allèle muté. Et donc ça arrive aussi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que juste les femmes sont mosaïques et c'est pour ça qu'il n'y a pas des symptômes. On peut en discuter pour les médecins entre vous, on peut discuter plus de ce phénomène. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il y a certaines maladies qui affectent de manière très grave les hommes, comme l'hémophilie, certains types de dystrophie musculaire, l'autisme. Et le syndrome de Rett, en fait, c'est un gène, je vais vous expliquer, c'est un gène qui est sur le X, et il n'y a que les femmes qui survivent, mais même les femmes mosaïques avec une mutation sur ce gène ont ce syndrome. Les hommes, les garçons meurent très tôt quand ils ont une mutation dans ce gène qui s'appelle MECP2. Et donc, en fait, la question de dose est très importante. Et ici, je voulais juste vous expliquer que si au cours du développement, un des deux X n'est pas inactivé, les embryons meurent très vite. Donc, une double dose de certains gènes est extrêmement létale. Donc, l'absence d'un gène peut être un problème, mais une double dose peut aussi être vraiment un problème et les embryons meurent très vite. Et donc, ça a été montré chez la souris par plusieurs équipes, y compris la mienne, très récemment. Mais quand on regarde le X et les gènes qui sont présents, je vous avais déjà dit, il y a 1300. Il y a beaucoup de gènes qui sont exprimés dans le cerveau et qui sont impliqués dans les maladies neurologiques, comme l'autisme. Et je voulais juste souligner ce fameux gène que j'ai mentionné tout à l'heure pour le syndrome de Rett, MECP2. Donc ça, c'est un gène en fait, qui code pour une protéine qui est impliquée justement dans les processus épigénétiques. Bon. Mais c'est un gène qui est très important, qui est exprimé tout au long du développement et plus particulièrement dans le cerveau. Et l'absence de ce gène, comme je l'ai dit, sur le X chez un mâle, létale très tôt.
L'absence de ce gène sur un des deux chromosomes X chez une femelle conduit à ce syndrome de Rett, où il y a des problèmes d'abord de langage, de coordination, et petit à petit, les filles commencent à avoir des problèmes d'épilepsie et autres. Donc, c'est un syndrome très, très grave, en fait. Mais je voulais quand même vous souligner que donc, ne pas avoir ce produit, même dans 50, ce protéine, même dans 50% des cellules, peut causer ce syndrome. Mais il a été découvert que les garçons ou les mâles qui ont une duplication d'MSCP2, donc en fait, il s'avère qu'il y a eu une duplication de la région qui contient le gène, ils ont un seul X, mais MSCP2 est présent en deux copies, ils ont aussi des problèmes graves neurologiques. Donc en fait, on sait qu'une double dose de cette protéine est très mauvaise. Pas de dose, c'est un problème. Double dose, c'est un problème. Une dose, c'est l'idéal. Donc voilà, pour vous montrer juste un exemple de l'importance de bien gérer cette question de dose et au niveau du chromosome X, c'est par l'inactivation d'un des allèles que ça se produit. Donc là, je voulais vous dire un tout petit peu plus sur les mécanismes. Donc je vous avais montré de manière très schématique le gène dans son état actif ou inactif ou actif. Ici, je vous décore ça un peu plus avec les marques épigénétiques et je vous illustre un tout petit peu les différents types de changements qui caractérisent un gène qui est sur le X actif ou inactif. Donc, un gène sur le X actif, il est transcrit par une machinerie, la polymérase, qui va produire l'ARN. Il est associé avec ces fameuses histones, les protéines, qui sont marquées pour être ouvertes et accessibles à des facteurs qui vont... Alors, non, c'est juste un petit rappel. Hein. Voilà. Voilà, c'est des qui vont permettre les facteurs qui vont activer le gène correctement. Par contre, sur le X inactif, nous avons plusieurs types de caractéristiques. En particulier, il y a un ARN qui maintenant est très connu parce que c'est un ARN qui ne code pas pour une protéine et qui est exprimé que à partir du X inactif. Et c'est cet ARN qui s'appelle EXIST, pour X Inactive Specific Transcript, donc il est exprimé qu'à partir du X inactif, qui va décorer le chromosome X. Et ici, vous voyez sa décoration, il va englober le chromosome X et il va déclencher l'inactivation et il va induire tout un nombre de changements épigénétiques différents. Donc la méthylation de l'ADN, que j'ai déjà mentionné, et des modifications de ces fameuses histones qui sont détectables, si on veut, avec des anticorps spécifiques pour ces différentes modifications. Donc ici, je vous montre un noyau. L'ADN est coloré ici avec un colorant qui s'appelle DAPI. Vous voyez le corpuscule de barre ici. Et ici, on détecte spécifiquement cette modification ici. Et vous voyez que c'est que le X inactif qui est touché par cette modification. Le X actif, on ne le voit pas, il n'est pas modifié. Et pareil pour la méthylation de l'ADN. Et quand on regarde un peu l'organisation du chromosome X inactif, il est beaucoup plus ramassé, souvent à la périphérie du noyau, et le X actif, il est beaucoup plus étalé, il s'exprime. Donc voilà un peu les bases, on va dire, des marques épigénétiques. Et juste pour résumer, je ne vais pas vous faire tout un cours sur les mécanismes épigénétiques, mais je vous avais déjà montré la chromatine, les modifications des histones, la méthylation d'ADN qui est la marque épigénétique qu'on comprend le mieux. Lui, on sait comment il est mémorisé et il marque chaque gène inactif sous le X et on sait qu'il est mémorisé au cours des divisions cellulaires. Mais il y a aussi l'organisation nucléaire, la manière que le chromosome X est replié en lui-même et sa position dans le noyau. Et donc ça, c'est une nouvelle domaine que les gens explorent, à quel point la position d'un chromosome dans le noyau peut influencer son état d'activité ou inactivité. Et on pense qu'effectivement, le X inactif, il occupe un espace très particulier, peut-être qui empêche tous les facteurs qui sont là pour activer les autres chromosomes. Et enfin, j'ai déjà mentionné les ARN non codants, et ce fameux ARN existe qui déclenche le processus et qui reste associé avec le X tout à travers les divisions cellulaires. Mais dans la lignée germinale, XIST va disparaître, l'ARN n'est plus là et on perd la mémoire épigénétique progressivement.
Donc, je voulais aussi juste mentionner que ces modifications épigénétiques sont importantes pour les processus comme le développement, la régulation des gènes. Et aussi, il a été une des découvertes que je trouve très excitante, c'est que quand on a séquencé récemment les génomes des tumeurs, des cancers, une des plus grandes surprises était que très souvent, il y a des mutations dans les gènes qui codent pour les protéines qui sont la machinerie épigénétique. Et donc ça, c'est quelque chose qui était un tout petit peu dans l'air depuis longtemps, que peut-être le cancer, c'est une maladie non seulement génétique, il n'y a pas juste les mutations dans des gènes, les oncogènes ou les suppresseurs de tumeurs, mais il y a aussi des changements épigénétiques très globaux qui peuvent aussi être importants. Mais on ne savait pas si c'était une cause ou une conséquence. Et là, avec le séquençage des tumeurs, on commence à réaliser qu'effectivement, c'est les gènes qui codent pour ces la machinerie épigénétique qui va permettre la méthylation de l'ADN, les modifications des histones, les ARN au codon, très souvent, c'est ces facteurs qui sont perturbés, absents ou exprimés au mauvais moment. Et donc, on commence à réaliser qu'effectivement, il y a des grands changements épigénétiques dans le cancer. Et si j'ai le temps, je vais dire un mot sur ce qu'on fait, nous, pour regarder ces changements épigénétiques au niveau du X inactif. Ça va ? Ok, très bien, je continue. Voilà. Donc, je voulais terminer en vous parlant un petit peu de ces modifications. Donc, le X inactif, globalement, les gènes sont réprimés. Mais il y a certains gènes, et c'est très stable, le taux de réactivation d'un gène sur le X inactif est 1 sur 10 puissance 9. Donc, ça, c'est très, très rare. C'est encore plus rare que le taux de mutation. Donc en fait, c'est une fois inactivé, les gènes en général sont très stablement inactivés. Mais on a découvert, plusieurs équipes ont découvert, qu'il y a des gènes qui échappent à cette inactivation, qui ne sont pas silencieux tout le temps, ou qui échappent dès le départ, ou qui échappent justement dans le cancer. Et donc ça, c'était quelque chose que mon équipe a découvert il y a quelques années. Donc en fait, au début, il a été connu par les médecins bien avant que le processus d'inactivation du X a été découvert. Les médecins savaient qu'en regardant le corpuscule de Barr dans les échantillons tumoraux, on pouvait voir qu'il y avait une perturbation globale. Donc ça, c'est une cellule normale où on voit le corpuscule de Barr. Et puis dans une cellule maligne, cancéreuse, on ne le voit plus et on voit beaucoup de chromatine perturbée. Donc les médecins utilisaient ça pour faire des catégories d'agressivité ou de grade des tumeurs. Mais la question était la suivante, est-ce que le chromosome X inactif, il est perturbé ou est-ce qu'il est perdu ? C'est-à-dire, le X inactif, on n'a pas vraiment besoin. Je vous avais dit tout au début qu'en fait, si on n'a qu'un seul X, pas deux, on est femelle, on est femme. Donc finalement, ce X inactif, on n'en a pas vraiment besoin pour survivre, peut-être. Donc en fait, on peut le perdre. Et justement, dans les tumeurs, très souvent, ou même chez les femmes âgées, on trouve dans le sang que le X inactif peut être perdu. Donc la question, c'était, est-ce que cette perturbation, la perte du X inactif, était génétique ou est-ce que c'était épigénétique ? Est-ce que finalement le X inactif, il était toujours là, mais il s'est réactivé, ou est-ce que le X inactif, il a été perdu ? Et donc, un postdoc dans mon laboratoire a étudié cette question. Je vais vous faire un bref résumé de ce qu'il a trouvé à l'Institut Curie. En collaborant avec des médecins, nous avons regardé dans le cancer du sein différents types de tumeurs, quel est l'état du X inactif. Et ici, je vous montre un exemple. Ce sont des cellules normales où on voit le corpuscule de Barr, ça c'est l'ADN encore. Et ici, vous voyez décoré par cette fameuse ARN de Xis, le corpuscule de Barr. Quand on regarde dans des cellules tumorales, voilà ce qu'on voit. On ne voit plus le corpuscule de Barr, on n'arrive pas à le distinguer. Et on voit que l'ARN Xis est présent, mais il est beaucoup plus dispersé. Donc on s'est dit, dans certains cas, le X inactif, il n'est pas perdu, mais il est peut-être perturbé. Donc, Ronan, ce postdoc, a regardé, et là, je vous fais un résumé de 5 ans de travail en une diapositive. Il a regardé des tumeurs de différents types provenant des patients et aussi des lignées cellulaires qu'on met en culture pour pouvoir avoir un accès plus à un nombre de cellules plus important. Et il a regardé l'état du X inactif au niveau des marques épigénétiques, au niveau de sa condensation et puis, surtout, au niveau de l'expression des gènes. Et pour résumer la situation, ce qu'on a vu, c'est que très souvent, le X inactif est perturbé.
il est décondensé. On voit des changements à l'échelle de tout le chromosome au niveau des marques épigénétiques. La méthylation de l'ADN, la chromatine est changée. Mais on ne voit pas une réactivation massive des gènes. Les 1300 gènes du X ne sont pas réactivés de manière massive. Mais il y a certains gènes qui se réactivent. Pas beaucoup, mais certains. Et donc justement, on se pose la question maintenant à quel point cette réactivation des gènes est une conséquence de la perturbation générale dans le cancer, dont je vous avais parlé, épigénétique, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait promouvoir des étapes de tumorigénèse. Donc ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose qu'on cherche. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est que quand ces gènes échappent à l'inactivation, ici, je vous montre ça en détectant l'ARN de ces gènes. Normalement, un gène sur le X inactif, on ne détecte pas son ARN, mais vous voyez ici, on le voit, en fait, sur le X inactif, on le voit exprimé. Et donc, en fait, on a regardé, est-ce qu'au niveau de la protéine, on voit une double dose? Et pour un gène, on a pu prouver que c'est le cas. C'est très difficile de prouver, en fait, au niveau protéique, qu'on a deux fois plus de protéines, mais avec des très bons outils, on peut le faire. Et on a montré qu'effectivement, une expression à partir du X inactif conduit à une dose plus importante de la protéine. Et c'est une protéine qui a déjà été impliquée dans la métastase de certains cancers du sein. Donc c'est un gène qui peut-être est impliqué dans la progression tumorale. Donc là, je vais en fait aller plus vite pour terminer. Donc en fait, dans le cancer, on sait que le X inactif est perturbé épigénétiquement et ça peut conduire à des changements au niveau de l'expression des gènes qui pourraient éventuellement avoir un rôle dans la progression tumorale. Mais on sait aussi qu'il y a des gènes qui échappent à l'inactivation, mais pas de manière tumeur spécifique. Plutôt de manière tissu spécifique. Et ça, c'est une grande découverte parce qu'on a maintenant les outils pour aller séquencer ou regarder l'expression des gènes dans des cellules individuelles. On a maintenant la technologie pour le faire. Donc, on peut regarder dans les cellules du foie ou dans les cellules du rein, est-ce qu'on voit que les mêmes gènes sont exprimés et est-ce qu'on peut voir si les gènes du X inactif sont parfois exprimés? Et la réponse est oui. Et donc, en fait, là, je vais aller vite, mais je vous montre qu'effectivement, d'habitude, les gènes sont bien compactés avec ces marques épigénétiques, mais il y a certains gènes qui s'ouvrent encore et qui peuvent être exprimés. Et nous sommes très intéressés par ces gènes parce que nous pensons que ces gènes peuvent avoir des conséquences très importantes chez les femmes. Et donc, il y a une étude, il y a quelques années, qui a été publiée, qui montre que chez l'humain, il y a jusqu'à 25% des gènes du X qui peuvent échapper à l'inactivation. Et souvent, c'est de manière tissu spécifique, et ça varie d'une personne à l'autre. D'un individu à l'autre, un gène peut échapper plus ou moins. Donc, dans le journal où ça a été publié, dans Nature, ils ont fait une couverture qui montre le mosaïcisme des femmes. Et l'auteur de ce papier, Hunt Willard, qui est un grand généticien, il a dit, et là je le cite, hein, c'est un homme, hein, il a dit que génétiquement parlant, si on a rencontré un homme, on les a tous rencontrés. Nous sommes, je parle pour lui, tous assez prévisibles. Par contre, on ne peut pas dire ça par rapport aux femmes. Les hommes et les femmes sont encore plus différents qu'on imaginait. Il ne s'agit pas de Mars et Vénus, mais de Mars, Vénus, Pluto, Jupiter, etc. Parce que non seulement les femmes sont mosaïques parce qu'il y a l'inactivation du X, mais en plus, il y a ce mosaïcisme d'échappement. Donc, les femmes sont extrêmement complexes au niveau de l'expression des gènes sur le X. Donc, tout le monde est unique, on est d'accord, mais les femmes sont encore plus uniques. Je pense que les femmes sont d'accord, en tout cas. Les messieurs peut-être aussi. Mais on peut en parler, parce que ça a vraiment des... Quand on y pense, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de gènes du X qui sont exprimés dans le cerveau, je vous avais dit. Voilà. Donc, pourquoi ces gènes échappent à l'inactivation? Ça, c'est un grand mystère. On sait qu'il y a certains gènes qui échappent parce qu'en fait, c'est les ancêtres du chromosome, le père d'autosome qui était identique. Et donc, il y a des homologues encore sur le Y. Donc, ces gènes-là sont moins intéressants parce qu'en fait, ils sont en double dose chez l'homme et chez la femme. Par contre, il y a beaucoup d'autres gènes sur le X qui ne sont pas sur le Y et qui échappent. Et on pense maintenant, et je voulais terminer sur ce point-là, parce que je pense que c'est très important, que ces gènes qui échappent à l'inactivation peuvent peut-être expliquer certains phénomènes, certaines maladies qui sont liées au métabolisme, au système immunitaire et au phénotype neurologique.
Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous savons que, par exemple, je vous avais déjà dit, quelqu'un qui avait un seul X est femelle, mais chez l'humain, c'est un syndrome. C'est des femmes qui sont bien, mais qui ont quand même certaines caractéristiques, en particulier au niveau du comportement, aussi au niveau de l'ovogenèse. Et pourquoi avoir un seul X conduit à un syndrome? Alors que, je vous avais dit, le X inactif, peut-être, il n'y a pas ça important. Mais on pense que c'est parce qu'il y a ces gènes qui échappent à l'inactivation et il faut les avoir en double dose. Ces gènes sont importants en double dose dans certains tissus. Et l'autre point à savoir, c'est que les femmes qui ont trois chromosomes X, en fait, ont deux X inactifs et un X actif, elles ont des légères phénotypes, mais pas si importants que ça. Donc, en fait, on commence à réaliser que ces gènes qui échappent à l'inactivation apportent aussi des problèmes de dose. Et un des domaines où ça touche beaucoup, beaucoup, qui est très intéressant, c'est les maladies auto-immunes. Je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des maladies auto-immunes touchent les femmes beaucoup plus que les hommes. Certaines de ces maladies, comme le lupus, c'est 90% des cas, c'est des femmes, et que 10% c'est des hommes. Alors bien sûr, ça peut être hormonal. On n'a pas parlé des hormones, mais il faut dire qu'il y a quand même des différences importantes hormonales. Mais on pense aussi qu'il y a des gènes impliqués, parce que les femmes XO de Turner n'ont quasiment jamais des maladies auto-immunes. Donc en fait, on pense qu'effectivement, le fait que certains gènes échappent à l'inactivation peut prédisposer à ces maladies. Et on peut discuter si vous voulez après de ça, mais je vais juste terminer sur ce point parce que vous voyez, c'est les maladies auto-immunes aussi, les maladies infectieuses qui sont beaucoup plus femelles spécifiques, mais il y a d'autres maladies qui sont plus biaisées vers les mâles et ça aussi, ça peut être dû à des gènes, les différences des gènes X, Y. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand on regarde les différences d'expression des gènes entre hommes et femmes, on voit qu'il y a quand même 6000 gènes qui sont différemment exprimés entre les hommes et les femmes. Et ça peut être bien sûr dû à des hormones, mais on commence à réaliser de plus en plus que c'est peut-être dû aussi à des différences génétiques, beaucoup plus sur les hommes. Après, il y a aussi d'autres raisons. C'est très intéressant, en fait, de point de vue historique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous, les femmes, nous sommes traitées comme des petits hommes, en fait. Un médecin va donner une dose simplement par rapport à notre taille et notre poids. Alors que nous savons qu'au niveau de l'expression de nos gènes, on est extrêmement différents. Donc là, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, c'est très important d'imaginer que dans l'avenir, toutes les essais cliniques soient quand même faites de manière plus équilibrée, avec beaucoup de précautions. Et aussi, que de point de vue économique, c'est très important parce qu'aux États-Unis, je pense que parmi les 8 drogues qui ont été retirées du marché depuis 20 ans, il y en avait 7 qui ont été retirées parce qu'il y avait des effets néfastes sur les femmes. Voilà. Donc, pour arriver à ce traitement médecine personnalisée ou médecine de précision dont tout le monde parle aujourd'hui, moi, je veux quand même souligner que pour vraiment traiter les gens de manière personnalisée, il faut déjà savoir que les traitements pour les hommes et les femmes doivent être différents afin de pouvoir les traiter de manière égale. Et donc ça, on a beaucoup de progrès à faire. Et le fameux chromosome X porte beaucoup des gènes qui sont intéressants par rapport à ce type de questions. Et beaucoup des gens comme moi qui travaillaient sur l'inactivation du X commencent maintenant à s'intéresser justement à ces gènes qui prédisposent par exemple à des maladies auto-immunes qui sont sous le X et qui sont très dose sensibles. Voilà, donc je vais terminer sur ce point-là. Je termine avec la même photo que vous avez vue. Donc là, c'est vraiment mon équipe, vous voyez des noms. Et juste pour remercier les fondations et les sources de financement que nous avons, qui sont très importantes, et aussi les gens de mon équipe, présents et passés. J'ai la chance de travailler avec une équipe assez extraordinaire. Et je travaille depuis 25 ans sur le chromosome X et l'inactivation du X. Et grâce à eux, je pense qu'on ne va pas arrêter encore pendant quelques années. Voilà, merci beaucoup. Bueno,
Lo prometimos y aquí estamos. Después de esta genial charla que nos ha abierto los ojos, llega el turno de preguntas, en el que todo aquel que tenga alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Aquí vamos a tener unos minutos para contestar. Entonces, si hay alguna cuestión en sala, perfecto. Ah, genial. Ya está. Okay, super. Hola, buenas tardes. Pues yo tenía como dos preguntas. La primera es si el silenciamiento es únicamente en el par 23 de los cromosomas sexuales o si hay también silenciamiento en alguno de los otros 22 pares, porque si como expresó la doble dosis es letal, ocurriría también en los otros, si se sabe si hay algún silenciamiento en los otros 22. Y la segunda es una reflexión más que una pregunta, pero también una pregunta, es si de alguna forma la epigenética reivindica un poco a Lamarck, en el sentido de que él decía, ¿no?, que se transmitían los caracteres adquiridos, ¿no? Si tiene algo que ver con eso, si es una reivindicación de aquello que se descartó durante tantos años o no tiene nada que ver. Gracias. Merci pour deux questions très intéressantes. Alors, je commence avec la première. Alors, j'étais très excitée quand vous avez posé cette question, parce qu'en fait, j'avais une diapo que je voulais mettre, mais j'ai décidé de retirer parce que j'en avais trop. Justement, nous avons découvert qu'il y a des gènes sur d'autres chromosomes qui sont exprimés qu'à partir d'un allèle et pas l'autre. Et ça, de manière stable, c'est-à-dire épigénétiquement héritable. Donc, c'était quelque chose qu'on savait pour certains gènes qui sont soumis à l'empreinte. C'est-à-dire, quand un gène vient du père, il y a une centaine de gènes comme ça dans le génome qui ne sont pas sur les chromosomes sexuels. Quand un gène vient du père, il est exprimé. Quand il vient de la mère, il n'est pas exprimé. Donc, ce sont des gènes soumis à l'empreinte. Et là, en fait, c'est une marque qui est déjà mise en place au cours de la lignée germinale. Mais là, je parle, comme pour le chromosome X, d'une inactivation aléatoire. Et mon équipe a fait une étude, un crible, pour chercher ce type de gène, et nous sommes tombés sur encore une centaine de gènes répartis dans le génome qui semblent montrer ce type de caractéristiques. Parfois, c'est l'allèle paternel qui est exprimé, parfois l'allèle maternel, et ceci de manière clonale, stable. Et alors là où c'était vraiment intéressant, nous n'avons pas cherché ce type de gène, mais on a réalisé que tous les gènes qu'on a trouvés comme ça, ou pas tous, mais presque, étaient associés à ce qu'on appelle des maladies dominantes autosomales. C'est-à-dire que quand il y a une mutation dans un allèle, on voit tout de suite un phénotype, alors que normalement, l'autre allèle devrait protéger. Et alors, les hypothèses pour ce type de dominance étaient que, on appelle ça l'haploinsuffisance, il faut une double dose ou il faut que les deux allèles soient exprimés. Mais en fait, cette découverte fait penser que peut-être c'est épigénétique. Et en fait, dans certaines cellules, si l'allèle non mutant, l'allèle sauvage est inactivé, on est nullisomique. Il n'y a pas d'expression du tout de la protéine. Et certaines de ces maladies, c'est des maladies musculaires ou des maladies qui c'est des syndromes qui affectent le rein, différentes parties du corps. Et donc là, on est très excités parce que ça ouvre la possibilité de traitement avec des drogues, ce qu'on appelle des épidrogues, qui peuvent réverser des marques épigénétiques. Donc ça, c'est tout un domaine, on peut en discuter. Mais si on arrive à vraiment comprendre quel type de marque fait qu'un allèle devient éteint et reste éteint, on peut aller essayer de réveiller le gène. Le gène, il n'est pas muté, il n'est juste pas exprimé. Donc, ça, c'est un des projets dans mon équipe. On travaille activement là-dessus et c'était une surprise. Nous, on imaginait que c'était que le X qui s'inactivait comme ça. Voilà. Mais il y a d'autres gènes et c'est des gènes qui sont importants dans les maladies. Donc, ça, c'est la première question. L'autre question, la marque. Alors, la marque, oui. Donc en fait, au niveau du rôle de l'épigénétique héritable et l'éventuelle sélection sur ce qu'on appelle les épiallèles, on n'a pas besoin d'évoquer la marque. En fait, une épimutation, un changement épigénétique qui est transmis d'une génération à l'autre, est comme une mutation, c'est-à-dire ça donne une caractéristique sur laquelle il peut avoir une sélection naturelle. Donc, je pense qu'au niveau de les épigénéticiens, ils n'ont aucun problème avec l'épigénétique et Darwin. Par contre, épigénétique et Lamarck, là, c'est plus
problématique. Et pour moi, il n'y a pas encore un seul cas où on voit qu'un changement dans un individu qui pourrait être favorable et qui est associé à une marque épigénétique est transmis à la prochaine génération. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements épigénétiques qu'on voit dans la nature qui sont transmis d'une génération à l'autre, chez les plantes, mais on ne sait pas du tout à quoi ils servent. Ça n'a pas été induit par l'environnement. On pense que c'est quelque chose stochastiquement qui est arrivé. Donc, la notion de la marque, de quelque chose qui est favorable pour la progéniture, pour moi, il n'y a pas un seul exemple. Mais le débat reste. Et j'ai toujours cette question, Lamarck, Darwin en plus. J'enseigne en France et je suis britannique. Donc je pense qu'un jour, je vais faire mes cours que sur ça. Darwin et Lamarck. Et je pense que là, il y aura beaucoup, beaucoup de débats. Voilà. Muy bien, muchas gracias. Algo también tenemos por ahí otra. Ahí está. Hola, buenas tardes. Gracias por su conferencia. Quería preguntarle, que dadas las diferencias genéticas entre hombres y mujeres, ¿qué pasos se tienen que dar en la sociedad o en las industrias farmacéuticas o en los promotores de los ensayos para que las mujeres sean incluidas más en los ensayos, para que reciban los mismos tratamientos y no haya esas diferencias de dosis y de reacción a un tratamiento? Gracias. Oui. Oui, merci pour la question. Donc, je ne suis pas une spécialiste des essais cliniques, etc., mais j'ai lu un petit peu la littérature autour de cette question. Et il y a eu des papiers, des publications, des white papers qui ont été publiés aux États-Unis, en Europe, en incitant justement l'utilisation des modèles animaux avec les femelles. Et en fait, même quand les gens travaillent chez la souris ou le rat ou le lapin, c'est souvent que les mâles qui prenaient. Et alors là ce n'est pas une question d'âge de reproduction. Là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a eu un mythe qui était que les femmes ou les femelles qui ont le cycle de Strauss sont beaucoup plus variables. Il y avait trop de variabilité lié à ça, et donc les gens excluaient les femelles. L'autre point, et alors il y a eu des études faites qui montrent que la réponse est non. Il n'y a pas beaucoup plus de variations entre les individus femelles et mâles qui sont liés à l'œstrus chez les femelles. Donc ça, c'est plus un argument. L'autre point, et là c'est une réalité, c'est que souvent pour regarder l'expression des gènes, la variation, les hommes sont plus simples pour les gènes du X parce qu'il y a un seul allèle. Donc, quand on fait un essai, on teste différents types de drogues et on regarde quel est l'impact sur la signature moléculaire, c'est plus simple d'exclure toutes les femelles. Alors, c'est incroyable parce que moi, je travaille dans un institut de cancer et j'ai réalisé c'est que les cancers qui sont spécifiquement féminines où on était obligé de regarder les femmes. Pour tous les autres, quand on regarde en fait l'impact des tests pharmacologiques, en fait, très souvent, on éliminait les échantillons féminines parce que c'était trop compliqué, le X est trop compliqué. Donc maintenant, il y a une prise de conscience. Et je le vois, il y a une augmentation dans les publications où soit les cellules en culture, soit les modèles murin ou de rat ou autres, on inclut en fait les femelles pour toutes les analyses qui sont faites. Et c'est impressionnant, les différences. C'est très, très important, en fait, parfois, les différences de réaction par rapport à certaines drogues. Donc, je pense que c'est très important. Alors, après, chez l'humain, c'est beaucoup plus délicat parce qu'effectivement, on ne veut pas se retrouver avec des situations comme le thalidomide, oui, voilà, où les femmes sont potentiellement enceintes et font partie des tests, mais nous sommes maintenant beaucoup plus capables de tester l'état d'une femme et de protéger les moments où c'est fait. Et donc, d'accord, on peut dire que peut-être il faut éviter cet âge de reproduction, mais ce n'est pas une excuse de ne pas aussi regarder les femmes plus âgées, ménopausées, ou les femmes, ou les enfants, où là, on peut aussi avoir des échantillons très facilement, sans avoir à faire des tests
trop perturbant chez l'enfant. Donc c'est quelque chose, que, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais même maintenant, parfois, quand je vais dans des colloques où il y a des cliniciens qui présentent, ils présentent un nouveau test, un essai qu'ils vont faire, et très souvent, c'est focalisé sur un modèle Murat que les mâles. Je pose toujours la question, me dit, ouais, en fait, on a pris que les mâles. Eh oui, mais pourquoi? Donc en fait, il faut le rappeler, et c'est pour ça que je le fais dans des endroits publics, parce que je pense que plus on le dit tous, plus ça deviendra automatique. Voilà. Una cuestión fundamental, desde luego. ¿Tenemos alguna cuestión más en sala? ¿Ya está? Yo tenía una pregunta, una pequeña duda que me ha quedado así. Me ha llamado mucho la atención el tema de las abejas y la abeja reina. Si es cuestión de epigenética, ¿por qué una abeja se diferencia a abeja reina? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Quiero decir, ¿por qué todo el resto son obreras y esa específicamente tiene unos cambios épigenéticos? ¿Por qué? ¿Por qué se producen? Oui. ¿Se sabe? Alors, c'est ça. On ne sait pas, en fait, quels sont les gènes réellement qui déclenchent les caractéristiques d'une reine. Alors, les caractéristiques sont la taille de son corps, c'est la capacité de faire de l'ovogenèse, d'être fertile. Les ouvrières sont stériles. C'est aussi sa longévité. Elles vivent beaucoup plus longtemps que les ouvrières. Quels sont les gènes qui y sont impliqués? Les chercheurs ont commencé à regarder les voies de signalisation qui semblent être importantes. Et en fait, c'était en regardant dans les larves traitées avec la gelée royale et les larves non traitées qu'ils ont vu qu'il y avait des changements de méthylation qui pouvaient être détectés. Donc on peut dire, ben oui, mais ça c'est juste la corrélation, c'est pas causal. Mais ils ont fait une expérience très, très intelligente. Ils ont pris l'enzyme qui modifie, qui fait la méthylation de l'ADN. Ils ont mis ça dans une larve. Et là, ils ont vu qu'ils pouvaient déclencher le développement, la formation d'une reine en jouant avec cette enzyme. Donc là, pour moi, c'est la preuve que les voies épigénétiques sont vraiment importantes. Alors qu'on aurait pu dire que c'est juste des corrélations. En fait, ce n'est pas de l'épigénétique, c'est juste les protéines développementales qui sont plus ou moins influencées. Et donc, c'est pour ça que je cite cet exemple. En fait, j'étais très sceptique moi-même, mais jusqu'à il y a quelques années où les chercheurs ont fait cette expérience avec l'enzyme épigénétique, et là, ils ont vu qu'ils peuvent le changer. Mais ça ne répond pas à votre question, qui est quels sont les gènes qui font... Pourquoi ces caractéristiques? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas quels sont les gènes clés qui font qu'elle va pouvoir vivre plus longtemps. Et bien sûr, c'est des questions qui vont donner des milliards quand on découvre l'élixir de la vie, etc. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui se mettent à travailler sur les abeilles parce qu'on pense que peut-être on aura des réponses à ce type de questions. Et si là, on trouve, on va dire, l'épimolécule qui est dans la gelée royale qui fait qu'une reine devient une reine, ben là, les pharmacies vont être vidées du gelée royale qu'on peut déjà acheter. Alors, mais chez l'humain, je pense qu'il n'y a pas le même effet. Comprad mucho ahora, que se puede. Mais il faut aller en Angleterre, là où il y a vraiment une reine, et chez vous aussi, hein, vous pouvez poser la question. Exacto. Si no tenemos ninguna pregunta más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Edith Hart, por esta conferencia y muchísimas gracias a todos por haber venido hoy aquí. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Merci a vous. Merci beaucoup.